Kadhafi, Kafo, bien, bravo, et vive l'armée malienne. Unis et déterminés, en paix, armée coffée, nous allons gagner ce combat. Amadou Koufa Nakamoro, il revendique Kafoko Biko, attaque Minkera. C'est vrai, à 5h15 minutes, où il y a une attaque à Kanga Dongo Kankouban. Simultanément, où il y a organisé Kanyono Gouchi, à Bafou Bougonga Dongo Kamerika Fo, pour armée Bidjokouleye. Mais l'armée malienne, sans autre forme de transition, a réagi avec force et détermination pour relever le défi. Et l'armée malienne, encore une fois de plus, les jeunes ont refusé qu'Afoko, l'armée va se voir donc à terre ou l'armée va faire des replis tactiques au Bana. C'est vrai, 5h du matin, 5h15 minutes, Mombli n'a donc au Farlagnon, donc Afoko Vita, qu'a explosif, qu'a Mombli Fa. Ka clin ka don poste kono kata jusqu'à Maliko bi yoro mi ngata ka fo wo bi ta o symbole bi yoro mi ngata Maliko mi ngata lu attaquer na be fo mi ma mura ngata ka fo ko bi ta ngata donc o conduit o hakina ngata ko bi ta ngata ko ta ko ira tiana ka fo ko nga armée ti fouille armée sans hésiter les jeunes qui sont sur place les jeunes de la police qui sont sur place o wulla ka jonga to donc o kanga minke des tirs nourris sur les sur les terroristes o yo ba progressivement ka fako bita o bora ka jo o nye ngata donc ka tir ngata donc ka okay, okay. Donc obligatoirement mimbe ngata donc noy kamikaze a desna katime finalement explosif mombe explosé la ngata donc explosif bam mbolo mimba la ngata tellement ngata donc c'est vrai mawo mabbe église greffe ngata kawo kambe be bora ngata donc a mankan kala mangata mombe mimbe donc somiere ben ata donc ne poste ben ata donc au bina ata donc nga dem sama quoi nous disons à ces jeunes qui sont morts pour la république une fois de plus bravo bravo nga donc pour votre honneur bravo pour votre famille bravo pour nga donc ce que vous avez donné pour le pays mbé jonjonjon fawye ka jonjonjon fonga ta jamana demuye c'est pour cela on dit aujourd'hui mo ni ti armée ko mo ni banaka tu mali armée ko e fané djouye e kanga ni ngalike ne jamana den djouye ne kanga ni ngalike ne bangé ba ané fawné ba wona o mali yawye mais si am yoro me ni jamana gelela choko choko jamana den de be wuli ka jongata ko ka armée soutenir merci encore à ces jeunes qui sont tombés sous le champ d'honneur qui a refusé avec famille maliba nga donc ané quelle tigue nga donc au structure membe ka fanga ta kobita dankara la nga anga mo wula ka jono d'ici ka sayata nga donc pour essayer de relever le défi. Je dis à ces jeunes oui, nous sommes fiers de vous. Vous êtes fiers d'être maliens. Ça veut dire ma badé ou ay kabla tigue ay sabla souye ay barami nga donc ça doit être chanté dans l'hymne de notre pays. Ça doit être chanté dans le gouloir de notre pays. Aye minke ngata donc ces jeunes qui sont morts. Ces cinq qui ont accepté qu'au digida, torolisu kangata kafangata donc explosif mobolo. Mombli kono koti donc angonana. Et qu'on y a stoppé carrément pour que explosif kate kremanana. Okana se kancha manchela. Donc à 5 mètres ngata donc kadon kangonana. Nous disons merci encore à ces jeunes-là. Ils se disent nous avons choisi. On boira ngata ay demsenye. On be do yere muso frunyi. Nous allons mourir aujourd'hui. Faut que la dunia donc pour que ça stopper kamikaze obligatoirement kamikaze faka yaga centré exploser donc tri nourri ou kera ngata donc ka wo ya essayer ngata ka donc ka a de fois même ka tourner sur repousser donc explosif kera momlo momle go côté là église mimbe quand wo kambe tellement manquant boyera donc a souffler ngata donc hal église yoro do kare donc nous disons à ces jeunes merci encore tout ce que vous avez fait pour ce pays merci à ces dignes fils de ce pays merci à Kablatigo, merci à Dambetigo, merci à Horon. C'est pour ça que je dis, il sera qui a Jamana Fengata Kafangata comme Malikola, qui veut se clonger que est Halaladi, qui veut se clonger que Nata Donga Venetio. Donc aujourd'hui, au Minke Kabola, l'attaque a été symétriquement préparée. Attaque de Lana, Kafangata Donga Mbora Bafo, oui, à Fomima, oui, roquette de Chi. Oui, quand tu chilles, quand tu as un avion mais jolendo, quand tu donc on est un hélico mais jolendo, oui, quand tu donc oui au tien donné. Et aujourd'hui vers 17h 18h, hélico quand tu voulais parce que Russie m'imbé, quand tu donc à pièce de ressenti m'imbé. Donc maintenant, un moteur yoro touché, un yoro touché là, parce que quand tu donc tire mais car yoro déjà, on m'a donc quand même parce qu'ils ont été reposés. Quand on recule une banane, nous disons aussi à Bafo, merci encore à votre donc engagement, à votre chance. C'est pour cela l'armée que nous avons aujourd'hui, l'armée qui monte en puissance, cette armée là en train de travailler avec responsabilité.
dignité et dignité. Et aujourd'hui, c'est le peuple malien, digne peuple malien, les vrais Maliens, les descendants des dignes fils du Mali, ils sont fiers d'être maliens, c'est eux qui sont en train de se donner la main pour supporter cette armée-là. Et que l'armée nationale est être supportée et en supportant la nation malienne. Jambetigi ni horoni halala diyo olu bebe ngata donga arme ko na ye mawo ma ye kabe dofo arme ma aye nyingali ke ni jamana dendo aye nyingali ke ni halala dendo aye nyingali ke ni jambetigi dendo aye nyingali ke ni horon dendo. Donc olu ngata donga aujourd'hui ils doivent être combattus comme les terroristes, parce que c'est des fils des terroristes, c'est des apatrides, c'est des antinationalistes qui n'aiment pas aujourd'hui pour dire ngata vivre l'armée malienne. Aujourd'hui tous ceux qui sont contre l'armée malienne doivent être systématiquement combattus comme les terroristes. Amadou Koufa et les autres, après l'attaque de Moura, ils ont voulu encore rebondir en pensant qu'ils allaient donner des leçons à l'armée malienne. Cette armée vaillante, donc armée, cette armée engagée, cette armée déterminée pour le combat, pour la libération, en battant même les ennemis et en battant même ceux qui les soutiennent, la France et les apatrides, la France et la CDAO, certains antinationalistes et des apatrides qui les suivent, encore en train de se faire combattre pour le Mali Kabone Geléala. Au bois, on a essayé de faire des là-bas aussi, on a mobilisé Flatiana, on a sorti Flatbana. Mais il va falloir que Ségou s'y rende au Kono. Allez-y tomber. À quoi d'amener la Rome, on a dit Ségou Bora, on a dit Ségou Bora. Les trois donc, attaques, nous avons à peu près 5 à 6 morts et nous avons 3 blessés. Et le Kélentiana, bravo à l'armée malienne. Côté des terroristes, nous avons tué une 11 personnes au Boulak dont Sébaré. Nous sommes en train de fouiller aujourd'hui Barao Bekela au Kondana. Donc comme je vous ai dit, Bafo Eliko Bidlana, rapidement d'ici 17h-18h, à Haklangata au Kanga Boula, pour que ce qu'on montre, nous n'allons pas nous décourager. Et que cette armée-là, l'armée donc, que nous voulons, l'armée que nous sommes en train de travailler, l'armée que nous sommes en train de faire en sorte pour que l'armée se relève, tous dignes fils du Mali, tous ceux qui sont sincères, qui sont des descendants des vrais Maliens, doivent supporter l'armée malienne, parce qu'il y a la politique politicienne, mais cette fois-ci l'armée et la justice, si vous êtes aujourd'hui, s'ils arrivent à relever le défi, le Mali, même si le Mali est à terre, le Mali peut se relever pour dignement parler. Et aujourd'hui, vous savez, Mali qui a libéré, Afrique qui a libéré, tout partira du Mali, tout partira donc du Soudan, tout partira de ce grand empire, tout partira de notre Mali. Le Mali a donc des hommes intègres, le Mali des hommes de dignité, le Mali des hommes qui sont sortis des grands empires, le Mali a donc des hommes qui, d'ici, là-bas, pensent toujours qu'il faut sauver ce pays qui est à terre. Donc c'est pour cela que Mali et Malienne, Mbara Mbeng, Dametiko Nihoron, Angangan Nyon Soronata pour sauver ce pays-là. Au message de Mboula Kafaouye, restez tranquille, restez donc sur les prix vivres, restez donc mobilisés derrière nos forces armées de sécurité. Vive l'armée malienne, que vive le Mali, je vous remercie. Mali Bibo. C'est gloire à vous, gloire à ces soldats tombés sur le champ de l'honneur, gloire à ces militaires qui ont donné encore une fois de plus ce matin leur âme pour sauver ce grand empire. Gloire à votre famille, gloire à vos enfants, gloire au peuple malien, gloire à des dignes fils de ce pays. Merci encore aux forces armées de sécurité, merci à la police nationale, merci aux forces armées territoriales, ce qu'on appelle l'armée de terre, AT. Merci à l'armée de l'air pour votre combat pour la libération. Aujourd'hui, ce que nous rêvons depuis des années, c'est d'avoir une armée de terre, une armée de l'air, la troisième dimension, capable d'avoir les feux qu'il fallait pour essayer de protéger notre pays. Hommage donc à ces hommes et ces femmes. Hommage au savoir-faire donc de la politique politicienne. Hommage donc à Choguel Okala Mayiga. Hommage donc à Assimi Goïta. Hommage à Sadio. Hommage à l'ensemble du peuple malien pour la sauvegarde et pour l'intérêt supérieur de la nation malienne. Gloire à vous. Paix sur votre âme. Merci encore une fois de plus. Merci pour ce combat. Allez-y, poussez-vous. Les 5 soldats, ces 5 militaires de ce matin, vous avez sauvé l'honneur et la dignité de notre pays. Sauvez, partez. Allez-y, vous avez fait votre travail. Le peuple sera reconnaissant pour vous. Gloire à vous. Merci et dormez définitivement pour ce que vous avez donné pour le pays. Je vous remercie.